Les enregistreurs de vol, plus connus sous le nom de boîte noire, équipent les avions de transport et enregistrent pendant le vol des données destinées à être utilisées après un accident. Tous les avions commerciaux sont équipés de deux boîtes noires, généralement placées à l'arrière de l'appareil. Le CVR, Cockpit Voice Recorder, enregistreur phonique, qui mémorise les conversations, sons et annonces entendues dans la cabine de pilotage. Le FDR, Flight Data Recorder, enregistreur de paramètres qui stocke seconde par seconde jusqu'à 700 paramètres du vol, altitude, vitesse, température, trajectoire. La durée totale des enregistrements est de 2 heures pour le CVR et de 25 heures pour le FDR. Les boîtes noires sont conçues pour protéger les relevés en cas de chute, feu intense ou immersion jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Elles sont chacune équipées d'une balise pour aider les recherches en mer. Celle-ci émet un signal qui se propage dans l'eau sous la forme d'une impulsion toutes les secondes pendant une durée d'au moins 30 jours.